Bonjour chers élèves. Je vais vous présenter votre nouveau camarade ici. Bon, je vais vous laisser faire connaissance. Salut Yélix. Moi c'est Sankwa. Tu t'en vas pas quoi? Ça va ici. Qu'est-ce que tu nous veux, Jamal? Bessene, ma chérie, j'ai pas terminé. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Rien, ou plutôt, non. Si tu nous attends ici à la couche, tu verras. Je te conseille de rester. Petit, tu nous as oublié. Encore toi. Franchis, ne me parle pas comme ça. Assez, il va me faire comment ta voix. Ok, moi. Lâche-moi. C'est James, qui est louche un peu dans le sac là. C'est quoi le problème? Lui, regarde ce qu'il y a dans le sac. Pourquoi? Mais regarde ce qu'il y a dans le sac. Ferme la bouche. C'est quoi ça? C'est le Kyo. C'est petit frère. Tu vois ce qu'il y a dans le sac là, non? Tu vas écouler ça pour nous. Pourquoi? Tu doules. Non, tu vas écouler ça pour mais nous. Pas. Tu as pas compris. Tu vas écouler ça pour nous. Ça ok, grand. Ok. Oui. C'est mieux comme ça. C'est un grand bougeau. Assez, tu es sûr que James va s'assortir dans le business hein? Ah ouais, ce qu'elle aime d'abord, c'est que si une dame est finissante, on va se fâcher d'eau. Je suis sûr qu'il va réussir. Ah, d'abord que son père c'est la bonne BOE là. Tu es sûr qu'il va pas lui dénoncer chez le principal ou chez le surveillant, des choses comme ça. Non, il a trop peur pour le faire, il pense pas. Ah, moi j'ai dit, hein, je vais pas être emmêlé dans mon business après. Ok. Non, je suis pas venu pour ça, mais je veux parler de ça. Ce que tu fais là, c'est pas bien, James. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais ce que tu fais. Pourquoi tu fais d'abord ça? Je suis obligé de faire ça. Qui t'oblige? Jamal. Mais on peut très bien aller le dénoncer. Je peux pas faire ça. Et tes études alors? Et c'est mon problème, c'est moi qui m'occupe de ça. En tout cas, tu sais ce que tu fais. Bye. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ça fait 1 heure qu'on l'attend, il est pas encore là. J'avais dit qu'il fallait pas lui faire confiance. Ouais, reste calme, hein, t'attends encore un peu. Hé, le bleu, ça fait 1 heure qu'on attend. J'ai besoin de compter. Non. Alors, la confiance règne. Chers élèves, nous allons procéder à la remise des bulletins au terme de cette séquence. Sincèrement, vous m'avez très mal déçu, surtout toi, James. Premier de la classe, avec 13,05, Sandra. Deuxième de la classe, avec 12,85, la ligne. Troisième de la classe, Cécile. Quatrième de la classe avait 11,63. Cinquième de la classe, Yvan. Sixième de la classe, Jamal. C'est pas moi, c'est pas moi.
septième de la classe, avec 11,00, Isaac. Huitième de la classe, avec 9,78, James. Neuvième de la classe avec 9,60, papy. Sixième de la classe, Mar. Sixième ex aequo avec 8,00, à Tanganet. Chers élèves, vraiment, vous me décevez et vous devez vraiment travailler parce que ce n'est que la troisième séquence et c'est vraiment très faible pour cette classe. C'est Jamal. Tu fais un écrit pas mon nom comme ça. Ouais, ne me fais pas le temps, tu veux quoi? Je vais gâcher ta merde. Donc, tu veux comment c'est ça? T'as bien compris. Ah, c'est quelqu'un qui veut comment du business. Mais tu fais sinon. Bon, je suis que tu veux sortir. Tu comprends pas quoi? Bon, pour sortir du gang, c'est pas facile. Je suis que tu veux sortir. Je sors. Ça y est, tu es libre. Allez, on se casse.